Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un coup de gueule. Faudrait que le gouvernement prenne en compte le rapatriement des Français qui sont sur cette fameuse île dévastée par l'ouragan de Saint-Martin à Paris. Il faut venir en aide à ces personnes-là, donc nous allons créer un compte pour déposer des dons via la Croix-Rouge, car nous n'avons aucun moyen d'être sur place pour nous, citoyens français vivant en métropole. Beaucoup de travail. On a tous notre quotidien, il n'y a vraiment que par le biais d'une aide financière qu'on pourrait être là pour leur soutien. Couper BFM TV, tout ce qui est information et actualité de Saint-Martin, que c'est complètement la panique totale, la panique totale. Bien, suite à tous les témoignages que j'ai pu voir de civils étant encore à Saint-Martin, aujourd'hui, après les catastrophes et l'ouragan Irma qui a pu passer et dévaster leur île, j'ai décidé de faire cette vidéo au soutien pour eux, pour leur dire que nous pensons très fort à eux, aux personnes encore sur l'île. Nous sommes seulement que deux petits youtubeurs à lancer cette vidéo, à lancer notre soutien, à faire des appels, à publier nos vidéos sur lesquelles on peut être entendu pour envoyer de l'aide, au maximum d'aide, aux personnes encore bloquées sur Saint-Martin. Donc voilà, je vais vous demander de la partager, pas forcément d'aimer, même si ça reste une aide humanitaire de notre part. Et nous allons essayer de mettre tout ça en place pour nous au niveau des dons, directement envoyés sur la Croix-Rouge. Et nous allons faire en sorte que tout se passe pour le mieux et nous envoyons notre extrême soutien à toutes ces personnes. Je vais vous mettre les témoignages qui m'ont choqué et que j'ai reçus via Facebook. Donc voilà, je vais vous laisser regarder tout ça, ne vous basez plus aux médias et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bonjour à vous, bonjour au monde entier. Je suis une résidente de Saint-Martin depuis plus de 20 ans, où j'ai donné toute ma vie ici. Malheureusement, ce qui se passe, personne n'en prend conscience. C'est juste l'apocalypse. L'État français en a rien à foutre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est passer à la télé et dire qu'ils ont fait ci et dire qu'ils ont fait ça, mais il ne se passe rien. Il n'y aurait peut-être que les militaires encore qu'on ne pourrait pas critiquer. Mais les gendarmes, ils sont mal formés, vos gendarmes, putain de merde. Ils ne savent même pas tenir une pelle et un râteau pour nous sortir de la merde. Mais c'est quoi ce truc? Mais quand est-ce? Arrêtez de nous faire passer des vidéos que les toits sont démolis, qu'il n'y a plus d'habitation, que tout le monde est à terre, tout le monde est à genoux. On le sait, mais venez nous aider. On veut partir de Saint-Martin. On ne peut pas rester ici. À Berryanthal, il y a des coups de feu toute la journée, toute la nuit. Ils tuent tout le monde. Les armureries, vous arrivez, vous ne savez même pas défendre l'armurerie de Saint-Martin, il n'y en a qu'une. Vous êtes 150, il n'y a pas putain de deux flics qui se mettent devant. Mais c'est quoi? Mais qu'à quoi vous pensez? Qu'est-ce que tu fais, putain Macron? Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es super beau, hein. Y a rien à dire, hein. T'es beau costard, belle cravate, avec une belle femme. Tout va bien pour toi, hein. Et nous, on paye des impôts pour toi, hein. Faut pas croire qu'à Saint-Martin, il n'y a que des riches, hein. Nous, on paye tous des impôts. On te donne tout à l'État. Bonjour à tous et à toutes, c'est une horreur ce qu'on est en train de vivre. Hein. Mon deuxième coup de gueule aujourd'hui, c'est pas un coup de gueule de merde. J'ai eu mon coup de gueule d'hier matin, c'est vrai que ça s'améliore et des choses qui arrivent.
Mais il se passe plus rien encore une fois ce matin, plus rien. On est avec des gens là, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. Regardez, c'est l'état de l'aéroport. Il y a des gens, il aurait juste un sac plastique. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus un toit pour ce soir. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un pont aérien qui est fait entre la Guadeloupe, la Martinique? On réquisitionne aujourd'hui les compagnies aériennes qui nous taxent et qui nous bouffent notre pognon tout au long de l'année. Pourquoi l'État ne réquisitionne pas tous les vols qui peuvent atterrir aujourd'hui sur Grand Caz? C'est 45 minutes de vol avec des navettes aller-retour. Pourquoi vous ne faites pas ça? Qu'est-ce que vous avez peur de signer? Vous signez quoi? Notre arrêt de mort, vous avez peur de signer? Qu'est-ce que vous faites? Faites-nous un pont aérien, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. On peut sauver des vies humaines. Bougez votre cul, putain! Le préfet et Macron, monsieur Macron, si vous voulez. Parce que jusqu'à maintenant, je vous respectais, monsieur le président. Mais si ça continue, vous allez avoir une cote de popularité, mais alors, médiocre! Signez tout! Envoyez-nous des avions et faites évacuer les enfants! S'il vous plaît, les enfants, les femmes, tout le monde!